foutre. Ah, ben je sais pas, moi. Bonjour, moi c'est Victoria Abadi, j'ai 23 ans et je suis franchisée depuis cette année. Ça fait un mois qu'on a ouvert avec ma cousine, ma sœur et mon cousin. Du coup, moi c'est Marlène Abadi, j'ai 25 ans et je suis infirmière depuis 3 ans. Et du coup, on a monté le Popcorn Labyrinthe à Ibos en famille. Du coup, nous, on se trouve dans un petit village qui s'appelle Ibos, juste à côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et on retrouve proche la ville thermale de Bagnères-de-Bigorre. Nous, déjà, entre nous, on est super contents de voir comment le projet a évolué. Et puis même quand les clients viennent nous dire « super initiative, on s'est beaucoup amusé, c'est super sympa, etc. Ben, » nous, ça nous fait vachement plaisir. On est content et on en est fiers, quoi. Du coup, nous, le point fort de notre labyrinthe, c'est qu'on travaille en famille, du coup, entre frères et sœurs et entre cousins et cousines, avec l'aide, bien sûr, de nos parents. Alors, moi, je dirais que les mystères et graines de maïs, c'est pour les plus aventuriers, ceux qui aiment réfléchir, ceux qui aiment faire des énigmes, tout simplement. Hein. Ils se lancent dans le labyrinthe tout en faisant cette activité qui leur plaît à côté. Ça permet de réunir toutes les réponses et que tout le monde soit d'accord ou pas d'accord. Ils peuvent faire des équipes, même entre eux, c'est chouette. Du coup, on propose également les corps murder parties. Donc là, il faut élucider un meurtre. Je trouve ça intéressant de voir les familles ou les groupes de jeunes adultes venir élucider le meurtre à la frontale. Alors à toutes les personnes qui ne sont pas encore venues tenter notre labyrinthe, on vous invite à venir vous affronter entre amis ou en famille sur les différentes activités qu'on propose.